Et bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'aquarelle. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto. Je vous remercie infiniment parce que ben, vous savez que je ne suis pas très vieille en aquarelle. Hein, voilà, ça fait pas longtemps que j'expérimente ce bonheur-là. Mais vous êtes déjà assez nombreuses à me demander des petits tutos. Donc écoutez, pourquoi pas, je vais commencer à y répondre volontiers. Des petits tutos très simples. Alors je pensais commencer par un tuto beaucoup plus facile en fait. Mais bah, écoutez, on fera ça au fur et à mesure, c'est pas grave. Là, on m'a demandé alors à plusieurs reprises un tuto sur la transparence. Donc écoutez, la transparence. J'ai pas une immense expérience, hein, mais c'est vrai que souvent dans ma réalisation, j'aime bien jouer sur la transparence. Je m'en faisais tout un monde, et puis ben, écoutez, il n'y a rien de compliqué en fait. Vraiment, il n'y a rien de compliqué. Donc, je vous avais présenté ici ce papillon que j'avais réalisé aux aquarelles Isaro, et pour lequel j'avais un petit peu peiné parce que j'avais mis du rouge de périlène qui justement n'était pas très transparent, mais vous voyez qu'on obtient quand même quelque chose de pas mal du tout. Ici, bon après j'en ai, je vais pas tout vous sortir, hein, mais vous voyez, je vous avais, alors je ne sais pas dans quel ordre vont sortir les vidéos, mais ici, vous voyez, bon, on a joué sur la transparence ici, sur les bulles, sur les feuilles ici, sur ces feuilles-là. Donc voilà, c'est vraiment pas compliqué. Alors il y a plusieurs façons de travailler la transparence. Soit on applique un jus très dilué, on attend, on laisse sécher, soit on essaye d'avoir cette. Alors lui, je ne l'ai pas terminé. C'est un petit brouillon, mais que je vais quand même terminer parce que je l'aime bien. Soit on le travaille de façon à obtenir cet aspect auréolé là. Moi, j'aime beaucoup ça. Voilà. Alors, ce qui est très important, de quoi est-ce qu'on va avoir besoin? Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, je vous propose dans le cadre de aquarelle débutant. Donc, je vais faire ça avec mes aquarelles Winsor & Newton Cotman, c'est-à-dire des aquarelles fines. Je ne vous propose pas avec de l'extra fine, c'est exactement pareil, mais dans le sens où souvent quand on débute, on commence avec des aquarelles fines. Les aquarelles extra fines sont un autre plaisir, mais la transparence peut tout à fait se travailler avec les aquarelles fines. Donc, je vous propose ici les Winsor & Newton, donc la marque Cotman. Moi, je vais choisir ça. Sinon, ben, je vous avais parlé de mes aquarelles Curetake qui sont très bien. Ici, j'ai quoi? Les Dallor Rouney, ici. Voilà, cette boîte-là. Ce sont quoi? Les aquafines. Bah écoutez, ça fait bien le travail aussi. Voilà, tout est pareil. Donc moi, je vais vous proposer quelque chose de simple. On va partir sur un feuillage. Donc, quelle que soit l'aquarelle que vous possédez, ce que je vous conseille tout de même, c'est de faire un nuancier avec ce trait noir. Alors c'est pas absolument indispensable, mais ce sera plus facile pour avoir un effet de transparence. Donc ce trait noir, personnellement, si vous me suivez, vous le savez, je l'obtiens en faisant un trait à l'encre de Chine, donc qui est indélébile. Sinon, il y a des Staedtler Pigment Liner aussi. Il faut que ce soit un trait noir, bien entendu indélébile, parce que le but, ça va être de venir aquareller par-dessus pour faire son nuancier. Et vous voyez qu'on va avoir des teintes qui vont être plus transparentes que d'autres. Alors là, ça ne ressort pas bien à la caméra. Mais vous voyez, si j'approche par exemple ici, on voit que ce vert émeraude là, eh bien, il n'est pas tout à fait transparent. Il doit être semi-transparent. Je n'ai pas vérifié dans ma gamme, mais quoi qu'il en soit, je vais privilégier les teintes transparentes. Vous voyez ici, par exemple, la nuance de vert de Guignet. Bah écoutez, elle est bien transparente, donc je vais privilégier ça. Le vert de Hawker foncé, vert de Hawker clair sont transparents aussi. Donc voilà, là, on va partir sur du vert. Maintenant, je vais peut-être faire quelque chose dans les tons aussi un petit peu de turquoise, donc rajouter du bleu. Le bleu turquoise ici est bien transparent, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, privilégier des couleurs transparentes, ce sera plus facile à obtenir. Et puis, ben, on va travailler avec l'eau, hein, forcément, parce que pour que ce soit transparent, il faut avoir des jus très dilués. Alors, vous aurez besoin donc
bien entendu, d'aquarelle. Pinceau, alors moi là je vais me servir de mon Davinci Casaneo numéro 2 qui est un pinceau à la vie. Il retient bien l'eau et une des façons, enfin la façon que je vais vous montrer aujourd'hui en fait va demander à venir réabsorber l'eau. Donc c'est vrai qu'un pinceau qui absorbe bien l'eau et qui retient bien l'eau, ben, c'est pas mal. Maintenant, si vous n'avez pas de pinceau à la vie, un pinceau classique, n'importe lequel, fera bien l'affaire. À partir du moment où c'est quand même pas un archi bas de gamme à 40 centimes qui a du poil synthétique qui ne retient rien du tout, il faut quand même un pinceau qui retienne assez bien l'eau. Attendez, j'ai quoi? Je vous avais parlé de mes Escoda qui sont très bien. Voilà, les Escoda font très bien l'affaire aussi. Ça, y a pas de souci. Mais voilà, il faut quand même que le pinceau absorbe bien l'eau. Pour être vraiment sûr du tutoriel débutant, moi je vais faire ça sur du papier cellulose. Bien entendu, si vous le faites sur du papier coton, ce sera mieux. Mais le papier cellulose, ben écoutez, moi ici j'ai un morceau de papier. Alors j'ai un morceau parce que le Montval, je le prends en A3 et je le découpe. Voilà, donc le Montval, c'est très bien. Le Canson Montval, papier cellulose. Ou alors je vous parle tout le temps de mon bloc Canson. Ici cellulose, donc qui est vraiment la base, mais pour vous entraîner, pour faire vos premières expériences, c'est très très bien, il n'y a pas de souci. Vous n'aurez pas le même rendu que sur un papier coton, mais ça ira bien. Ensuite, personnellement, je trouve important d'avoir deux pots d'eau. Alors moi, je prends des gros pots, voilà, donc si vous avez un gros pot à confiture, c'est très bien, un vieux pot, mais voilà, peu importe, moi j'en prends deux. Un pour rincer mes pigments et humidifier mon pinceau. Et un, l'eau va rester claire parce que je vais prendre. Il y a une étape où je prends de l'eau claire pour venir écarter mes pigments. Donc deux pots d'eau. Ce qui est important aussi, ça va être d'avoir un petit chiffon pour essuyer son pinceau parce qu'il va falloir avoir un pinceau qui est plus ou moins sec. Voilà, quoi vous dire? Oui, ce qui est bien, sinon vous allez mettre 300 ans. Ce qui est important dans les superpositions, vous voyez, c'est que entre chaque couche, en fait, il faut que le pigment, enfin l'aquarelle sèche, mais qu'elle sèche vraiment. Donc, si vous pouvez tout à fait laisser sécher à l'air libre, mais ça va vous prendre facilement un quart d'heure, 20 minutes entre chaque couche. Donc, vous voyez ici, j'ai fait une première couche. Il faut attendre un quart d'heure, 20 minutes pour faire la deuxième couche ici, 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 ici. Attendre encore un quart d'heure, 20 minutes. Donc, soit vous faites plusieurs, ici ce sont des fleurs, plusieurs fleurs, et puis le temps que vous fassiez les autres, la première à sécher. Soit vous prenez votre sèche-cheveux, ou alors ici, un heat gun. Vous savez, c'est pistolet à chaleur qu'on utilise en scrapbooking. Donc moi je fais du scrap, donc j'ai ça. Sinon, si vous avez un sèche-cheveux, ça va bien. Alors attention avec le sèche-cheveux qui a un souffle plus puissant que le heat gun. Le heat gun, vous voyez ici, ça la chaleur en fait ici semble quand même centrée, mais elle va se diffuser de façon plus harmonieuse et moins agressive qu'un sèche-cheveux classique. Donc si vous faites ça au sèche-cheveux classique, attention parce que il envoie très fort. Et vu qu'on travaille dans de l'humide, quand même assez humide, s'il vous reste un petit peu d'eau, ben, ça risque de faire une flaque qui va venir se diffuser. Donc le faire d'assez loin dans un premier temps. Quoi vous dire? Bah écoutez, on va préparer les couleurs dans un premier temps parce que c'est bien d'avoir d'être sûr de sa palette de couleurs. Et puis ben voilà, moi ce que je vais faire là, c'est que je vais ranger un petit peu mon bureau et puis on se retrouve tout de suite. Alors je vais vous montrer les couleurs que je vais choisir. Vous n'êtes absolument pas obligé de faire les mêmes couleurs que moi, mais je vais vous montrer. Donc je vais partir, je vais quand même tester plusieurs couleurs. Donc comme je vous disais, je vais partir sur du nuance de vert de guignet ici, donc qui est le numéro 696. Alors moi j'ai la grosse palette. Si vous n'avez pas la grosse palette, vous prenez un vert, un ocre, parce que moi j'aime bien casser le vert avec de l'ocre. Voilà, je vais partir sur les verts de haut cœur, le foncé, le clair. Voilà, je pense à un ocre jaune
pour casser le vert, et puis pour donner peut-être plusieurs nuances. Ici, le turquoise pour donner un aspect bleu turquoise. Je ne sais pas trop. Je vais voir en fait au fur et à mesure avec vous comment est-ce qu'on va faire. Alors ici, je vais humidifier dans un premier temps mes verres. Alors ici, j'ai mis une goutte, mais je ne veux pas ce verre-là en fait, qui est le vert intense de phtalo, mais qui n'est pas assez transparent pour moi. Donc je vais mettre pas du vert émeraude, du vert d'ocre foncé, du clair. De l'ocre jaune et puis pourquoi pas un turquoise. Alors hop, ici on a le cobalt, le ceruléum et le turquoise. Voilà. Alors ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais préparer mes jus. Bon, ma palette est toute sale. Ma palette dont je vous avais parlé, que j'adore, Paul Rubens, est dans un état encore pire. Donc on va commencer tranquillement. On garde un pot d'eau bien propre pour la suite. Donc ici, bon, je vais partir sur des couleurs ici que j'avais déjà faites. Elles sont déjà presque terminées, donc c'est pas bien grave. Donc je vais mettre mon nuance. Alors c'est un nuance ici hein, de vert de Guinée. Je vais voir un petit peu ce que ça va donner. Alors voyez qu'il est quand même il tire quand même une limite sur du turquoise. Il est très joli, mais moi je vais le mélanger avec un vert de ocre pour le moment clair. Donc vert de ocre clair ici. Voyez, ça va. Alors toutes ces nuances turquoise, vous savez, ressortent toujours un petit peu difficilement à la caméra. Et ce que je vais faire, donc là je vais rincer mon pinceau et je vais venir casser tout ça avec un petit peu d'ocre jaune. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des tests sur un papier. Alors papier de brouillon, là, même si c'est du papier imprimante, c'est pas grave du tout. Je vais mettre quand même pas mal d'eau parce que je veux un jus très clair, vraiment très très clair. Donc, qui est quand même pigmenté, bien entendu, mais assez clair. Donc, je vais regarder. Hop, alors attendez, parce que j'ai pas pris de feuilles de brouillon. Hop. Alors, ici, je vais regarder qu'est-ce que ça va me donner. Vous voyez, hop, j'ai cette teinte-là qui me semble pas mal. Qui me semble pas mal et ouais, que je vais peut-être même éclaircir encore un tout petit peu pour avoir quelque chose de vraiment clair. Voilà. Donc vraiment, voyez, n'hésitez pas à mettre de l'eau pour la transparence. Après, il ne faut pas noyer vos aquarelles. Mais là, si vous voulez un jeu de transparence, eh bien, il faut que ce soit transparent, hein, de toute façon. Donc voilà. Alors ici, j'ai donc fait mon petit mélange. Et puis, donc, je vais vous proposer tout simplement des feuillages. Après, vous pouvez faire encore une fois tout ce que vous voulez. Juste des cercles, des bulles, vraiment ce qui vous fait plaisir. Alors ici, donc on a le papier Montval, donc cellulose. Soit vous allez, donc on part sur un petit feuillage tout simple, soit vous allez tracer votre feuillage directement au pinceau, soit vous voulez vous rassurer, vous voulez le faire d'abord au crayon. Pour ça, deux solutions. Soit vous avez un crayon classique, crayon HB, vous venez tracer et si jamais, pour ne pas laisser les traits de crayon, hop, vous mettez un petit coup de gomme mie de pain. Alors, la gomme mie de pain, c'est beaucoup mieux qu'une gomme classique sur le papier aquarelle parce que vous allez venir tapoter. Ça va prendre en fait le graphite du crayon. Alors que si vous venez avec gommer avec une gomme classique, il se peut que vous lissiez le papier aquarelle. Voilà. Donc si vous aimez, enfin si vous êtes sur du grain satin, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous êtes sur du grain fin ou du grain torchon, c'est quand même mieux de faire attention à préserver le grain de son papier. Voilà, alors deuxième solution, vous avez un crayon graphite aquarellable.
Alors, mes Faber-Castell, je les ai à la maison. Là, à l'atelier, j'ai un Rembrandt graphite aquarelle, donc Lyra. Vous tracez et ensuite, ben, le principe d'écrivain carrélable, lorsque vous allez passer votre pinceau, le graphite va se dissoudre, donc il ne se verra plus. Voilà. Donc, allez-y quand même de façon assez légère, hein, quoi qu'il en soit. Ici, on va tracer un petit arc de cercle, voilà, juste pour avoir la ligne. C'est tout simple, hein, vraiment, on va partir sur quelque chose de tout simple. Alors, soit vous tracez votre tige maintenant, soit vous le faites après. Personnellement, je le ferai, je pense, après, parce que je préfère avoir un jus un petit peu plus soutenu que ce que je vais avoir ici. Donc, je ne sais pas si vous voyez la ligne, quoi qu'il en soit, on va suivre la courbe. Alors, on va partir avec, on n'hésite pas à prendre quand même un petit peu d'eau, essuyer son pinceau sur le rebord, remélanger un petit peu. Voilà, à chaque fois on remélange bien, surtout lorsqu'on fait un mélange de couleurs. Voilà, comme ça vous avez votre jus qui est assez uniforme. On l'essore un petit peu ici parce que bon, moi j'ai un pinceau à la vie, donc ça boit énormément d'eau. Et ici, tout simplement, on va venir faire une première feuille. Donc ça va être très très simple, hein, ce que je vous propose. Donc une première feuille, un tout petit trait ici, tout léger. Et puis, hop, on part, on appuie. On relâche. On va faire la même chose en bas. On laisse pas mal d'eau. On va remplir en fait. Vous n'êtes pas obligé de faire comme moi en deux fois. Vous pouvez tracer le contour et puis venir remplir assez vite parce que sinon vous allez avoir des marques qui vont rester. Voilà. Quand vous êtes satisfait de votre contour, donc vous remplissez quand même avec pas mal d'eau. Alors, soit vous laissez comme ça et vous laissez sécher. Mais l'effet transparence, vous voyez, il aurait fallu un jus plus clair. Moi, j'attends un petit peu que le papier boive un petit peu. J'essore mon pinceau. Je le rince dans l'eau sale. Je l'essuie. Je le passe à l'eau claire. Et je vais venir déposer des grosses gouttes. Et là, vous voyez ce qui se passe? Les fameuses auréoles que l'on ne veut pas d'habitude dans nos productions. Et là, en fait, c'est ça qui va écarter le pigment, qui va donner une diffusion, et c'est ça qui va donner cet aspect auréolé-là, que personnellement j'aime bien. Voilà. Alors, ici, on attend un petit peu que les pigments se diffusent, partent vers l'extérieur puisqu'on a mis nos gouttes d'eau propres. C'est pour ça que moi je préfère garder un bocal d'eau vraiment propre, réservé à cet effet. Maintenant, ce que je fais, c'est que je vais bien essorer mon pinceau. Une fois qu'il est bien essoré, tout doucement, je vais venir essuyer ma feuille, récupérer le pigment. Voilà. Voyez, tout doucement. Là, de toute façon, le papier est humide, donc on a le temps. On ne touche pas, on y va tout doucement. On essaye de ne pas toucher les rebords parce que, ben, alors, si vous ne voulez pas l'aspect auréolé, vous passez partout. Sinon, moi, j'aime bien avoir ces rebords un petit peu marqués parce que le jeu de transparence va être plus marqué, je trouve. Et on vient récupérer tout le pigment. Si vous y êtes allé un petit peu trop doucement et que le pigment s'est trop installé, à ce compte-là, vous essuyez à nouveau votre pinceau, vous reprenez de l'eau claire et tout doucement, vous venez essuyer. Voilà. Donc voilà pour la première feuille. Là, je vais faire la deuxième feuille avec vous. Donc pareil, je reprends mon jus. Quoique même, je vais peut-être mettre une petite goutte d'eau parce que vous voyez, je le trouve encore un petit peu trop foncé. J'essore. Mais je laisse quand même le pinceau bien imbibé, hein, parce qu'il faut qu'il y ait de l'eau. Hein. Ici, on va venir faire une deuxième feuille. Donc, même principe. Je pars de là. J'appuie. Je relâche. En bas, c'est pareil. Alors, si on n'a pas exactement les mêmes feuilles, ben, c'est pas grave. Hein, dans la nature, on n'a pas les mêmes feuilles partout. Alors, ce que je fais personnellement, j'étale un petit peu mon pigment de façon uniforme.
Je le laisse reposer un petit peu. J'essore ici mon pinceau. Je ne le rince pas de suite dans le bocal, entre guillemets, d'eau sale, parce que, ben, écoutez, il y a quand même pas mal de pigments dedans, donc je viens l'essorer. Une fois que j'ai attendu 10-15 secondes, je rince mon pinceau dans le bocal d'eau pigmentée. Je l'essore pour le nettoyer un petit peu. Je passe mon pinceau dans le bocal d'eau claire. Je l'imbibe bien, bien d'eau. Et puis maintenant, hop, je vais venir faire, vous voyez comme ça s'auréole tout de suite. Voilà, je viens venir poser mon eau pour faire les auréoles. Donc le mieux, c'est d'avoir de l'eau claire partout pour avoir une jolie démarcation autour. J'attends un petit peu. J'ai sur mon pinceau. Et tout doucement, je vais venir prélever mon jus, qui est un mélange de pigments et d'eau claire, en faisant attention à bien respecter les contours. J'essuie pour bien décharger mon pinceau. Je viens prélever ce qui reste. Alors là, vous voyez, j'ai une petite poussière qui s'est mise au milieu, c'est pas grave. Et donc ça, bien entendu, vous pouvez le faire encore une fois avec les formes que vous voulez, les couleurs que vous voulez, à condition que ce soit des couleurs transparentes, semi-transparentes, mais pas opaques. Il y a certaines teintes qui sont quand même assez opaques, donc c'est un petit peu dommage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais continuer, et puis pour pas que le tuto dure 3h30, et je reviens vers vous. Hop, donc voilà mon premier passage de feuillage terminé. Alors voyez que on a des irrégularités, on n'a pas des feuilles qui sont toutes identiques, et j'ai envie de vous dire, il ne faut pas, parce que ben, à l'œil en fait ça va manquer de vivacité, ça va être trop terne. Donc voyez, on a des feuilles moyennes, des plus petites, des plus grandes. Ici j'ai refait un jus, c'est un petit peu plus soutenu, ben écoutez, c'est pas grave, et au contraire c'est ça qui va attirer l'œil. Alors ici, j'ai fait pas mal de feuilles, donc voilà le premier passage en fait. Normalement, le temps que vous fassiez les dernières feuilles ici, ces feuilles-là auront bien entendu séché. Maintenant, si vous faites une fleur, il vaut mieux mettre un coup de sèche-cheveux ou de heat gun pour que ce soit bien sec. Donc assurez-vous surtout que les premières couches soient bien sèches avant de faire la deuxième couche. Alors pour la deuxième couche, soit vous restez exactement dans la même teinte, soit vous variez un petit peu, c'est comme vous voulez. Après, alors, on peut avoir des petites histoires de fusion, de choses comme ça, mais on va faire simple pour aujourd'hui. Personnellement, donc là, j'ai refait mon jus. Je vais rajouter dans mon jus une goutte de... Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai envie de prendre Je ne sais pas si je vais prendre du sépia ou du gris de peine. Peut-être du sépia. Voilà, on va voir. Donc, peut-être du sépia. Je vais prendre ici. Je vais mettre une goutte de sépia. Voilà, qui va venir assombrir un petit peu mon jus. Pourquoi pas, puisque j'avais envie une toute petite goutte de turquoise. Alors vous allez me dire, j'ai cassé mon turquoise tout à l'heure. Oui, mais là j'ai envie pour le deuxième passage d'un petit peu plus de... Oui, d'un petit peu plus de couleur. Et eh bien, je vais rajouter un petit peu d'eau pour vraiment diluer mon mélange. Je vais voir si j'ai quelque chose d'assez dilué. Ou au contraire, enfin, et d'assez pigmenté aussi, parce qu'il faut quand même trouver un équilibre. Alors ici, qu'est-ce que je vais avoir? Voilà, je vais avoir, vous voyez, la teinte est quand même différente. Alors là, c'est vraiment du papier imprimante. Hein. Ça me plaît. Voilà, ce mélange me plaît. Donc maintenant, on va jouer un petit peu sur les tailles. Ici, je vais tracer donc une feuille qui va venir en superposition. Alors pas exactement au milieu, mais il faut que ce soit vivant. Voilà, il faut que ça bouge. Donc cette feuille là hop, j'ai envie de la faire partir comme ça. Voilà, alors elle va être bien dodue. Alors moi j'ai un
Casaneo, donc la vie. C'est vrai que en appuyant, on fait vite de grosses feuilles. Si vous avez un pinceau plus fin, un pinceau rond, vous n'obtiendrez pas cet effet feuille dodue comme ça tout de suite. Écoutez, c'est pas grave, faites le contour et venez vite le remplir. Voilà, c'est pas indispensable. Moi, j'aime bien ces grosses formes de feuilles-là. Donc, c'est pour ça que j'ai pris un pinceau à la vie. Oui, assez gros. Alors, je passe bien sur le contour avant de faire mon effet auréolé. Voilà. Comme tout à l'heure, j'essore. Je trempe, je rince dans le bocal d'eau pigmentée. J'essuie. Je répète, hein, mais pour moi, ces étapes-là sont importantes. Je vais vous dire après, je trempe dans mon eau claire. Et je vais venir faire les auréoles de façon uniforme sur toute la feuille. Voilà, que ça aille jusqu'au bord pour vraiment que l'eau claire pousse le pigment jusqu'au bord. Je vous l'avais dit, je crois, dans ma présentation des aquarelles Isaro. Moi, l'effet de transparence... Alors, il y a peut-être d'excellents tutos français, mais du moins que je n'ai pas trouvé sur YouTube. Donc, moi, j'ai vraiment... aimer cette technique-là de Jelly Painting. Je vous en avais parlé encore une fois dans ma présentation des aquarelles Isaro. Je vous mettrai le lien en dessous parce que bien entendu, je n'ai rien inventé. Hein. Mais voilà, c'est lui qui m'a fait découvrir cette méthode-là, qui est la méthode, que j'apprécie le plus, du moins qui me correspond le mieux. Parce que j'ai vu d'autres tutos, j'ai vu pas mal d'autres façons de faire. Personnellement, c'est vraiment ça que j'apprécie. C'est avec cette méthode-là que je me sens le mieux. Et c'est pour l'instant le rendu que je préfère. Et c'est quelque chose qui me détend énormément. Alors, voyez, là, voilà, on a notre premier effet de transparence. J'ai cette feuille-là, dans une teinte un petit peu différente, et qui vient chevaucher les deux feuilles d'en dessous. Et voyez qu'on voit bien la feuille d'en dessous en transparence. Alors, je reprends un tout petit peu d'eau pour réimbiber un peu mon pinceau puisqu'il était sec. Je reprends du jus et puis ici, par exemple, vous voyez, pour donner un petit peu de mouvement, cette feuille-là, je vais peut-être la faire un petit peu plus tombante. Alors, je pars de là. Et hop, je vais lui donner une forme. Si elle va pouvoir venir. Alors, elles ne sont pas obligées de chevaucher les deux autres feuilles, hein, les deux feuilles du dessous. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai voulu pour l'instant, mais voilà, ça va peut-être changer avec les autres superpositions. Donc, je remplis pour étaler mon pigment, parce qu'il est important d'avoir pas mal de pigments. Alors, moi, ici, je fais des feuilles qui sont un petit peu plus grosses. Vous pouvez tout à fait faire des feuilles qui sont plus petites. Ça, c'est vraiment au bon vouloir de chacun. Ça dépend tout à fait de la dynamique que vous voulez donner à votre aquarelle. Voilà, moi, je mélange les tailles, je mélange un petit peu les couleurs. Vous voyez, ici, j'aurais pu venir mettre une touche de plus foncé. Mais pour l'instant, je vais rester sur quelque chose d'assez simple. Donc, je rince mon pinceau dans le pot avec les pigments. Je sèche, je viens prendre de l'eau claire et hop, je viens faire mes auréoles. Vous les voyez, les auréoles qui se forment, et je mets de l'eau claire de façon uniforme partout sur la feuille pour poser mon pigment, pour écarter mon pigment. Voilà. Donc, vous voyez, encore une fois, là, on est je travaille avec de l'aquarelle fine. Bon, ce Winsor & Newton, c'est une excellente voilà, les aquarelles Cotman sont très très bien. Et vous voyez que ça se travaille très très bien. Donc, on n'est pas obligé de mettre un budget incroyable. Vous voyez, ah, ici j'ai fait une petite goutte. Est-ce que je vais pouvoir venir la prélever? Bon, des fois, voilà. Donc, vous voyez que je suis sur du papier cellulose avec de l'aquarelle fine. Et mon effet de transparence, il n'est pas extraordinaire. Mais vous voyez que ça fait son travail. Hein. Donc, personnellement... avec du matériel pour débuter,
on peut vraiment, vraiment déjà se faire plaisir et faire de jolies choses. Ce que je vais... Oui, j'en fais, allez, une troisième avec vous et puis après, j'arrêterai pour continuer de mon côté. Celle-ci, ben, je ne sais pas encore quelle forme je vais lui donner. Pas trop, trop grosse quand même pour pas que ça sorte du cadre, mais ici... Alors, je tourne mon pinceau parce que comme c'est un gros pinceau à la vis, je voudrais quand même que ma pointe soit bien affûtée. Et voilà, je vais lui donner. Et vous voyez, celle-ci, ben, elle ne vient pas toucher celle du tout. Et ben, c'est pas grave. Comme ça, on n'a pas quelque chose de trop symétrique et de trop répétitif. J'étale bien mon pigment. Sors, je rince dans l'eau pigmentée, j'essore et maintenant je prends mon eau claire. Alors je répète, mais c'est vrai que mon, personnellement en débutant, je me sens sécurisée par vraiment des pas à pas qui sont très détaillés. Voilà, même si c'est répétitif, enfin personnellement, hein, vous allez me dire en commentaire si vous ça vous énerve ou si éventuellement j'en fais trop, mais je trouve que c'est sécurisant quand on commence d'avoir, ben, d'être pris un petit peu par la main et d'avoir des choses détaillées parce que c'est aussi pour ça que je n'hésite pas à vous faire, je pense que je vais vous faire plusieurs tutos. Alors oui, je me permets de vous faire des tutos. Alors que je n'ai pas une grande expérience, mais ce qui est bien aussi, c'est que justement, j'ai pas une grande expérience. Donc, les choses ne sont pas tout à fait automatisées pour moi. Je décortique encore un petit peu les choses et je pense que pour transmettre, pour expliquer, eh bien, c'est pas mal aussi parce que justement, mes automatismes ne sont pas acquis, que j'ai tout à apprendre encore. Et ben, je vous partage ce que je commence à maîtriser un petit peu. Voyez ici, mon pourtour n'est pas parfait parce que quand j'ai appliqué mon eau claire, je n'ai pas pris la peine ici. J'ai vu que ça n'allait pas jusqu'au bord. Je ne l'ai pas poussé avec mon pinceau. Et donc, vous voyez, mon bord n'est pas net. J'aurais dû, quand j'ai appliqué ma goutte d'eau claire, elle n'est pas venue toute seule jusqu'au bord. J'aurais dû la pousser un petit peu avec mon pinceau pour venir pousser le pigment. Voilà. Et j'aurais eu ma ligne de pigment. Vous voyez, comme je l'ai eu ici. Bon, mais c'est pas grave encore une fois. Dans la nature, on voit de tout. Et puis, ça permet des irrégularités qui me plaisent. J'arrête, je continue et je reviens vers vous. Voilà où nous en sommes après donc la deuxième couche de feuillage. Voyez que, bah, écoutez, on a bien un effet de transparence. Alors, encore une fois, je vais me répéter. Là, je ne travaille pas les ombres et les lumières. On a quelque chose d'assez, bah, pour le coup, on dirait des, enfin, des aplats. Hein. Ce n'est pas travaillé au niveau de, au niveau des ombrages ni rien du tout. Mais l'objet du tuto d'aujourd'hui, c'est la transparence. Donc, restons vraiment sur la technique de la transparence. Donc là, j'ai rajouté tous mes deuxièmes feuillages. J'ai passé un petit coup de sèche-cheveux. Alors, vous voyez que je n'ai pas bien centré mon feuillage. Ici, les feuilles sont un petit peu ramassées. Alors, j'ai hésité à, aller, à faire des petites feuilles partir comme ça, où on ne les voyait pas en entier. Bon, écoutez, je ne sais pas. De toute façon, je pense que je vais déchirer mon papier à la main autour. Ben écoutez, c'est plein d'imperfections, mais je vais vous tenir exactement le même discours qu'en art thérapie. Enfin là, c'est de l'art thérapie plus que jamais. Mais en colo, si vous me suivez en colo, le but c'est de se faire plaisir et de se détendre. Donc pas de stress si c'est plein d'imperfections. Eh bien tant mieux, nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des robots. On représente la nature. Ben, la nature, encore une fois, n'est pas parfaite. Donc, laissez aller votre pinceau, faites-vous plaisir. Personnellement, cette technique de transparence est une technique qui me, celle-ci en particulier, qui me détend énormément. Donc, ben, voyez ici, par exemple,
ma main a tremblé, comme vous le savez, c'est encore très difficile. Ben, mon pinceau est parti, donc celle-ci, c'est une feuille bien dodue, bien en forme. Ben, écoutez, tant mieux, elle est la bienvenue. Voilà, donc ici, si vous voulez, on peut s'arrêter là. On peut encore en rajouter. Moi, je vais vous proposer ben, d'en rajouter encore un petit peu. J'ai refait le même jus en rajoutant une pointe de gomme gutte et du turquoise. Donc, gomme gutte dans le Winsor & Newton Cotman, c'est le numéro 266 et le turquoise, c'est le 654. Voilà. Donc, je vais faire un dernier petit passage. Je prends de l'eau parce que là, mon jus était quand même un petit peu trop pigmenté. Je vais vérifier ce que ça donne. Voilà, on a une jolie teinte ici qui est quand même plus turquoise. Au niveau de l'eau, on n'est pas trop mal. Et bah écoutez, je ne sais pas, j'ai envie peut-être déjà de partir. Oui, mais pourquoi pas de partir ici sur une feuille tombante. Donc, je pars doucement, j'appuie et je relâche. Et ici, hop, pareil. Hop, vous voyez, là, je n'ai pas terminé ma feuille. Alors, d'ailleurs, on peut laisser des feuilles ouvertes pour faire apparaître la nervure. Mais là, dans cet exercice-là de la transparence, c'est quand même plus compliqué. Donc, aujourd'hui, j'ai pris le parti de rester très simple, de faire des feuilles pleines, sans jeu de lumière, sans ouvrir de blanc. Voilà, on reste vraiment. Donc là, vous voyez, mon rebord est pas tout à fait net. Je viens l'affiner un petit peu. Je peux en faire un deuxième en attendant que ici le pigment s'imbibe. Là, ici, je vais en faire une assez petite. J'ai envie. Hop. Voilà. J'étale mon pigment. Alors après, bien sûr, il y a une histoire de proportion, d'harmonie. Là, je vous avoue que j'y vais vraiment au feeling. J'essuie mon pinceau. Et la même histoire. Hop. Peau à pigment, on essuie au clair. Et on vient faire nos auréoles. J'adore les auréoles. J'adore les voir se créer. Donc, si elles ne sont pas bien uniformes et qu'elles ne vont pas jusqu'au bord, on essuie le pinceau pour enlever le pigment qu'on a déjà récupéré. On le remet dans le pot d'eau claire. Et après, vous pouvez aussi laisser tout à fait cet aspect dentelé sur le côté si vous ne voulez pas quelque chose de net. Hein. Maintenant, si vous voulez quelque chose de net, vous poussez, voilà, vous poussez avec votre eau claire jusque sur le bord si vous voulez quelque chose de plus net. Si vous voulez quelque chose de dentelé, vous laissez votre eau se diffuser comme elle veut et puis vous venez prélever par la suite. Ça, c'est vraiment comme vous voulez, vous allez faire votre technique. Surtout, ne vous énervez pas si vous n'y arrivez pas du premier coup. C'est pas grave, voilà, ça demande un petit peu de technique. Un petit peu, voilà, c'est tout. Maintenant, c'est un plaisir. Mettez-vous de la musique, regardez votre aquarelle se diffuser, les pigments travaillés, l'effet de l'eau claire sur les pigments qui se poussent. Personnellement, je me régale. Je vous tiens souvent ce discours-là. Hein. Encore une fois, vous allez penser que je suis bien au perché. Mais voyez, la vie est faite de bonheur simple. Il faut savoir les cueillir. Les accueillir, les observer, et ça fait du bien. Sincèrement, ça fait du bien. Hop, voilà. Donc ici, j'ai voulu faire une petite touche. Vous voyez, je trouve que ça relève, ce turquoise-là. Donc, j'ai changé un petit peu mon jus pour chaque étage. Après, vous pouvez, si vous voulez, faire toutes les feuilles avec les mêmes teintes, ou au contraire, changer un petit peu de teinte à chaque feuille, alors en restant dans un camailleux, sinon ça va être carnaval hein. Mais bon, ceci dit, si vous avez envie d'avoir carnaval, ben faites carnaval. Faites les choses comme ça vous plaît, faites plusieurs essais, ne vous mettez pas martel en tête,
L'aquarelle, c'est magique. Voilà, on n'a pas quelque chose de répétitif, c'est la surprise à chaque fois. Personnellement, c'est ça que j'adore, le fait d'avoir une surprise et quelque chose qui n'est pas établi du tout parce que ben, l'aquarelle, c'est vivant. Voilà, c'est vivant et je trouve ça magique. Voilà, magique, très très beau, imprévisible. Majestueux. Très délicat, très doux. Voilà, là, vous voyez, j'ai fait une moyenne, une petite, une plus grosse qui vient complètement cacher les autres. Bon, peut-être que celle-ci est trop grosse en plein milieu. Bon, ben écoutez, tant pis. Voilà, c'est pas grave. Parce qu'en fait, je vous parle en même temps. J'essaie de regarder le retour caméra pour être alors à peu près sûr que ce que je vous propose soit visible et Bec, comment vous dire que ça vous parle et que ce soit efficace, hein, parce que c'est vrai que si je ne regarde pas ce que je fais en même temps que ce que je vous propose, ça va pas être évident pour vous de suivre le tuto. Alors, je suis désolée, qui j'ai avec moi? Lancelot, Lancelot qui ronfle. Bientôt, il va ronfler plus fort que Juliette. Ah, c'est pas peu dire. Voilà. Donc, je suis désolée pour les bruits de petits chihuahuas qui ronflent. Donc là, je pousse. Donc vous voyez, j'ai toujours pas tracé ma ligne du milieu. Bon, mais je vais le faire à la fin, ça, il n'y a pas de souci. J'attends que ça pousse et je viens prélever. Donc j'insiste bien. Là, je ne vous ai pas tout détaillé, sinon le tuto allait être trop long. Même si ça vous paraît sec, entre chaque couche, mettez quand même un petit coup de sèche-cheveux ou attendez vraiment. Parce que si vous passez, si vous faites votre nouvelle feuille sur une feuille en dessous qui n'est pas totalement sèche, eh bien il va y avoir des fusions et vous n'aurez pas cet aspect net là, vous aurez quelque chose de flou, alors qui peut être très joli et recherché d'ailleurs, mais ce n'est pas l'objet du tuto d'aujourd'hui. Là, pour avoir de la transparence, il faut bien attendre que le papier et que les pigments soient secs entre chaque étape. Voilà. Donc j'arrête, je continue de mon côté et je reviens. Notre feuillage a bien avancé. Vous voyez que là, on en est à la troisième couche de feuillage. J'ai décidé ici de faire des feuilles qu'on ne voyait pas en entier pour équilibrer un petit peu. Ici, c'est pareil, hein. Celle-ci, elle part sur le bord, elle ne se termine pas. Bon, j'ai fait quand même des feuilles assez grosses en turquoise. On peut tout à fait s'arrêter là. On peut continuer. Donc ça, c'est à vous de voir. Personnellement, j'ai encore envie de continuer mon feuillage. Donc, j'ai décidé ici de repartir sur une teinte un peu plus désaturée. Donc, j'ai préparé un jus ici que vous voyez. J'ai mélangé du verre de vessie. Donc, ici, le verre de vessie qui est le numéro 599 avec une pointe d'alizarine cramoisie. Donc, pour venir désaturer mon verre de vessie qui est sinon un petit peu vif à mon goût. Donc, je vais faire des feuilles un petit peu imposantes avec mon. Donc, je continue avec mon Casaneo numéro 2 et je vais faire des feuilles un petit peu plus petites. Donc, je vais prendre ici mon Nescoda numéro 8. Voilà. Donc, je vais en faire une avec vous et ensuite on verra je pense pour le coup que le quatrième passage sera le dernier. Je vais commencer peut-être ici, puis ici j'en ferai une plus petite. Voilà, hop, toujours même technique, je pars doucement, j'écrase mon pinceau, je relâche. Voyez, ici on a quelque chose de beaucoup plus désaturé. Donc personnellement, j'aime ces superpositions de couleurs, j'aime la dynamique que ça donne. J'étale mon pigment de façon assez uniforme pour ce modèle-là. Après, je pourrais tout à fait faire quelque chose de plus, encore une fois, de plus flou ou de plus déstructuré. Ici, je vais faire une feuille qui part.
vers le haut et qui va venir croiser la turquoise du dessus. Et après, c'est toujours, toujours, toujours le même principe. Alors, celle-ci, je la voudrais bien pointue. Voilà, n'hésitez pas, si vous n'arrivez pas du premier coup, à venir retravailler vos formes, hein, il n'y a pas de souci. Voilà, et puis ben, pour la suite, c'est exactement pareil. Je vous dis à tout de suite. Je vous fais, ben, je pense, un dernier petit point pour vous montrer que là, j'ai avancé mes feuillages avec ce pinceau, donc l'Escoda numéro 8. Vous voyez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il est beaucoup plus fin que le Casaneo. Et en fait, donc je voulais vous montrer qu'on peut tout à fait faire des feuillages bien dodus avec un pinceau fin, tout simplement en passant plusieurs fois avec le Casaneo en deux coups de pinceau, c'était plein. Et là, vous voyez, ici, je vais faire un dernier feuillage. Regardez, je vais le faire venir vers celui-ci. Voilà. Et puis, vous voyez, en fait, à l'intérieur, c'est vide. Et bien, tout simplement, je reprends mon jus et je viens compléter. Hop, ici. Et l'étape suivante se passe exactement de la même façon parce que c'est aussi un fibre synthétique de bonne facture. Donc, pour la fin, ça va être la même chose. Je vais peut-être faire ici une dernière feuille pour équilibrer. Enfin, pour équilibrer, là, il y en a déjà une, mais en petit. Hop, voilà. Et ensuite, eh bien, c'est pareil. Voilà, je laisse infuser. Et puis, on a nos dernières étapes. Quoi vous dire? Ouais, je voulais vous faire un petit point sur la prise en main du pinceau si vous débutez. Alors, je finis ça. Hop, parce que ben, il faut quand même ne pas trop s'éterniser si on veut que ça marche. Donc, voilà. Je guide un petit peu. Oui, ce que je voulais vous dire si vous débutez, c'est que le pinceau, on ne le tient pas comme un stylo. Je trouve, enfin moi c'est venu, alors intuitivement plus ou moins, parce que j'ai remarqué que toutes les personnes qui peignaient ne tenaient pas leur pinceau comme ça, mais comme ça, avec le pouce en avant. Et en effet, le fait de laisser le pouce, pardon, vers l'avant, eh bien, ça laisse une aisance avec les autres doigts qui est beaucoup plus importante. En fait, si on tient le pinceau, alors bien sûr, pour faire les tout petits détails, il faut être précis. Mais lorsque vous faites des grands gestes et que vous avez besoin d'aisance et d'aller assez vite, là d'ailleurs, hop, vous voyez, j'ai mangé le rebord et c'est dommage parce que mon rebord ne sera pas net. J'ai enlevé le pigment, tant pis. Et là, vous voyez, ici, ma superposition ne se voit pas bien parce que j'étais pressée de vous dire la fin. Et en fait, cette feuille-là, mais c'est intéressant aussi pour vous, hein, je vais bien enlever mon pigment ici. Hop, vous voyez, je sèche et j'enlève au maximum. Hop, pardon. Attendez, excusez-moi. En fait, mon trépied est... Hop, il bouge. Oui, en fait, vous voyez, ça c'est intéressant. Vous voyez qu'ici, ma superposition, en fait, mon effet de transparence, il n'est vraiment pas optimal. Par rapport à, ben, ici, par exemple, où les feuilles se croisent bien. Voilà, on les voit bien. Là, ici, on a perdu la on la voit un petit peu, mais pas beaucoup, voyez la feuille du tout. Tout simplement parce que je suis venue faire cette feuille ici, alors que cette feuille-là n'était pas assez sèche. Je n'ai pas passé au sèche-cheveux, c'était pas assez sec. Et puis, ben, en fait, quand j'ai commencé à tourner à nouveau au niveau du film, en fait, lorsque j'ai recommencé à filmer, je me suis dit, ah mince, j'ai pas séché et j'ai pas voulu vous mettre du sèche-cheveux dans les oreilles. Mais voyez que si c'est pas bien sec, eh bien, en venant retirer le pigment ici, vous enlevez ce qui est en dessous. Voilà. Alors, cinquième couche d'aquarelle ici. Donc, j'ai commencé avec ce petit mélange-là. Je vais vous montrer
Voilà, ces petites feuilles qui sont un petit peu plus opaques. Donc j'ai décidé de le faire pour donner un petit peu plus de dynamisme à mon feuillage. J'ai fait pour ça donc un mélange avec du turquoise, du vert de guignet, du vert de ocre foncé et du gris de penne. Donc le gris de penne, c'est ce gris que j'adore qui tire sur le bleu et qui sert ben, notamment à foncer les nuances. Donc ici, vous voyez, donc je continue avec mon Escoda numéro 8 avec des feuillages plus petits. Donc là, je vais venir dynamiser un petit peu le centre de ma feuille. Je le dis et je le répète, c'est un exemple à vous de vous approprier votre technique, vos dispositions, les couleurs que vous voulez, la dynamique que vous voulez apporter. Là, vous voyez, moi, je fais 5 passages. Vous pouvez faire simplement les superpositions en 2 fois, ça suffit amplement. Voilà, donc moi ce que je vais faire ici, je vais continuer. Je vais vous montrer le résultat final. Et voilà mon feuillage terminé. Donc vous voyez, j'ai poursuivi ici des feuilles un petit peu plus soutenues. Et puis, alors j'en ai rajouté. J'ai rajouté, donc j'ai refait 2 mélanges, à peu près les mêmes mélanges que j'avais fait pour le premier branchage. Et ici, je n'ai superposé à chaque fois que 2 feuilles. Voilà, j'ai fait 2 branchages comme ça. Et puis des petits amas de feuilles pour habiller les coins. Vous voyez ici, il y a une petite éclaboussure. Bon, voilà, tant pis. Moi, elle me gêne énormément, mais c'est pas grave. Encore une fois, c'est du 100% fait main, donc les petits accrocs arrivent. Donc, on a une page qui est très chargée, mais l'objet ici, c'était de vous montrer les superpositions et la transparence. Donc, voilà. Quoi vous dire? Je sais que le tuto a été un petit peu long. Quoi qu'il en soit, j'espère pour ceux que la transparence effrayait, que ça vous effraiera beaucoup moins. Vous pouvez reproduire ce tutoriel. Ben, j'espère d'ailleurs que vous le ferez. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous y êtes arrivé plus ou moins facilement, si vous avez rencontré des petits problèmes. N'hésitez pas à me poser des questions, à me contacter directement sur Instagram. Je réponds très volontiers, je laisse des petits messages vocaux. Donc voilà, ça va un petit peu plus vite que par écrit. J'espère vous proposer ben, pas mal de petits tutos tout simples à l'avenir. Voilà, j'espère que ça vous conviendra. Jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.